Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News. Je dis à nous pour parler de bay moun qui pa gen papier aux États-Unis résidence. Légaliser moun kap viv sans papier. Son sujet, on va remarquer nous même nous toujours aborder dans toute objectivité, nous pas varer sous li, nous font tirer ralenti sous li. Puisque nous toujours voulons parler avec tête reposée, nous toujours dit moun. Parce qu'en pile, moi, souvent, après, il y a une bonne résidence. Pourquoi ça va d'un bâtiment de bonne résidence? Tu veux comprendre que, bah, là, pas facile que ça. Toujours un pile bel projet qui a venu à légaliser le monde. Chaque l'aime tout dit, écoute, ça, c'est le démocrate seulement qui l'a donné. Il y a une politique qui a fait avec les deux côtés. Laissez-moi dire, souvent, il y a des parlementaires qui réunissent, démocrates ou républicains, ils viennent avec loi sur l'immigration. Mais le souvent, ils font le conseil, ils réunissent entre eux-mêmes, ils ont une loi. Mais là, on fait ça. Son bagage politique. Si vous réunissez avec démocrate seulement, ou votons une loi, ou dites nous allons légaliser, nous allons faire ceci. Vous connaissez vos voix, vous remontez, puisque et bien, vous même seulement pour aller voter. Ok? On a rappelé que dans cette semaine-là, dans la chambre des députés, ils ont voté une loi sur l'immigration. Vous presque pas attendre parler de lui. Ça qui passe. C'est des républicains qui ont réuni ensemble, ils votent une loi sur l'immigration. Ou pas, ils parlent dans les tiroirs. Parce que, peut-être qui ça, les arrivés dans le Sénat, je ne vais pas même garder le même. C'est bagaille qui rive démocratie. Démocratie vote en pile loi pour baïmon papier tout. OK? Je dis à pour qui ça nous voulons nous choisir parce que ça fait actualité nous dit ah ça a mérité au moins pour nous ta font parler de lui qui particularité. C'est Salazar qui introduit bill ça que lire le Dignity Act. Peut-être qu'ils en a parlé de lui parce que c'est une rare fois où gagnent un projet de loi sur immigration qui baille partisan. Dans le sens que li gagne un valet républicain on va les démocrates qui co-sponsor. Donc ça vaut la peine pour nous parler. Et bill ça vient dans moment que nous connaissons une crise sous frontière que Biden lui-même avec executive order a tenté résoudre mais qui pas jamais définitif. Trump te font façon pour résoudre dans bagaille parle et on apprend que à chaque fois président est monté, c'est qui a tenté font bagaille. On sait pas rôle ça. Si vous voulez faire réforme dans l'immigration, tout ça président fait provisoire. Il faut que et parlementaire aussi, si vous voulez monter, si vous voulez faire politique, que vous commencez à agir. C'est ça, en pile, vous demandez que parlement, puisque après des décennies, pas jamais une réforme dans l'immigration, il y a un problème. Libérité réforme. Donc, et représentant Maria Alvila Salazar introduit bill ça dans le Congrès, mardi qui se passe là. Ok? Il croit que lui a adressé des problèmes qui datent depuis des décennies, qui fait que deux partis politiques, ça n'y aura pas. Il prend intérêt chaque monde dans quatre bill ça. On nous dit, nous répétez-vous, c'est le premier bipartisan immigration bill qui est introduit dans le Congrès depuis plus de 10 ans. Libral bail, chemin légal pour à peu près 12 millions de monde qui n'ont pas de papier aux États-Unis. Ok, mais ils ont pour payer tout. Ils ont un papier parce que les gens, dans la loi, ils ont un papier pour payer. Il y a plusieurs façons de payer. Et comme ils payer, c'est pour augmenter. Et ça n'a pas dans le budget, dans le fonds pour ça n'a pas la sécurité sous frontière là. Donc c'est immigrant yo, il dit moun sa ou légalisé qui va le payer comme tout, ou j'en ou fait pour sécuriser frontière, vous comprenez. Salazar c'est lui même qui a été bill ça. Et moun qui co-sponsor li, gagne un député Veronica Escobar qui est son démocrate de Texas et lui supporté par député Hillary Scolton, non démocrate de Michigan. Nous gagnons député Lori Chavez qui sont républicains de Oregon, nous gagnons Kathy Manen qui sont démocrates de North Carolina et nous gagnons député McLaren qui c'est un républicain de New York et puis nous gagnons député Jennifer Gonzalez qui c'est un résident de commissionnaire de Puerto Rico. Donc eux même ils dit yo décidé agir, yo décidé si pas faire politique, si pas plaindre, si pas critiquer, mais font bagarre qui gagne chance pour le passer dans bagarre ça. Et ça l'a expliqué que ce qui est important dans la proposition, ça, c'est que son bill cap fully paid by the people. En d'autres termes, ça ne peut pas demander un pile l'argent de la part de l'État. C'est même les gens qui peuvent légaliser. C'est eux qui peuvent payer pour bill. Et Congrès, presque 30 ans, pas jamais arrivé à faire aucun update. OK? Et pas jamais gagné un café. Donc, je nous constate. Jean ça fait d'une jeudi à c'est toujours président qui a tenté ba un bagage qui toujours temps qui a toujours temporaire
qui est attaqué à la justice, qui est capable de bloquer, puisque il passe aussi dans le Parlement. Et maintenant, mais ça, Bill a dit la baille route pour immigrants qui résident dans le pays a depuis gain plus que 5 ans. Attendez bien. Depuis gain plus que 5 ans ou à vivre illégal dans le pays a permettre ou come out of the shadow. Il va le bon relief. OK, quand on a gain pour payer taxes et autres. Exception bien entendu monde qui fait zak, qui fait crime. Et ou pas la donne. OK, programme là pour le permettre que moun sa yo yo ba autorisation pour yo travail et puis yo vivre aux États-Unis pendant 7 ans. Programme là rele dignity status. OK, pendant 7 ans on va gagner pour résider légalement. OK, après qu'on fin payer yo parler de $5,000 après 7 ans ça yo ou qualifier pour un redemption status qui pral menon à un citizen cap couteau $5,000 encore. Ouais donc ça dit en pile comme ça yo pral potentiellement aider plusieurs millions de dollars qui a utilisé pour financer Sandarele Work Education Program cap aider et moun sa yo cap aider American worker et si yo t'a perdu job train immigrant sa yo pour joindre training pour joindre better job et donc c'est pour aller investissement. Il parle de près de $45 billion capable gagner. Il espérait que mon ça le fin citizen dans le programme ça, il a gain accès avec d'autres programmes gouvernement et qui est déjà payé. Et il parlait de en plus de ça. Et citizen cap sorti de en bas projet ça qui est le dignity programme, il a gain pour payer 1.5% dans paycheck yo, un special fund. Et ça vous comprendre. 1.5% d'investissement, c'est un fonds spécial qui est utilisé pour sécuriser le bordel. Je dis, le pourcentage de ça, il peut déduire 7% normalement qui peut prendre dans la social security, dans le Medicare. Tout, ok? Et donc, le livre dit qui ça? Et on dit que Bill a tout, il a modifié les gens à Zilae pour créer n'importe 5. Et humanitarian campus pour moun qui espère venir immigrant statut, construction de plusieurs centres et autres grand ensemble de bagages. Il parle qu'un bébé famille pour pas diviser, il parle une résolution de cause dans caillou pendant en 60 jours et il parle fond processus pour accélérer causer asile là. Il parle pour provision pour guest worker et qui donc et ça là ça dit il pense qu'on bande monde dans secteur privé qui cap supporter tout ça. OK. Et vous pensez que c'est la meilleure solution qui gagne. OK? Donc, on nous dit, analyse pas nous. Analyse pas nous, c'est que, effectivement, c'est un bill qui gagne bipartisan. Il y a une chance si vous voulez lever figure. OK? Si vous voulez faire un bagage sérieux, il y a une chance pour vous faire un bagage, puisque tout le temps a parlé, il y a un problème. Tout le monde reconnaît qu'il y a un problème. Donc, le problème pour nous résoudre, ce n'est pas républicain quand on est à côté sous le tableau, au fond, on bagaille pour remonter. Là, nous avons un bagaille bipartisan. Maintenant, est-ce que, on dit que c'est un bill près de 500 pages, très tellement nous avons apporté l'autre détail pour vous. Mais, laissez-nous dire, nous sommes toujours pragmatiques, nous pensons que nous avons une chance. Mais, nous toujours dit tout le monde, nous avons politique, nous avons sciences humaines. OK? C'est politique. Et l'impossible. Mais la grande question, si vous avez un bagage qui vous a fait dans le bill, c'est à, avant l'année 2003 à finir. Puisque automatiquement, on entre dans 2024, on entre dans l'année électorale. Année électorale, amis, pas la plus difficile pour nous passer. OK? Mais. Nous pensons que c'est un gros pas en avant qui fait. Et dans ce sens-là, dans des propositions, qui ont un rapport avec l'immigration qui a parlé de bail moun papier. Mais on dit tout le monde, ou pas pour gagner faux. Parce que souvent, il y a autant de nouvelles. On a gagné faux. Oh, dans les nouvelles-là, tout le monde parle de papier. Depuis qu'il y a 5 ans, on parle de papier. Oui, nouvelle-là dit, c'est. Même toujours rappelons que c'est un projet de loi.
Et nous pas jambou qui rappeler moun ici là. Lorsqu'un projet de loi vini pour arriver sous ou même citoyen illégal là, il y a un pour passer dans chambre député pour voter, il y a pour aller dans chambre sénat pour voter et puis présidentiel. C'est comme ça pour arriver sous. Son façon pour pas faire euphorie pour dire ah tout monde pas un papier. Mais nous voulons dire sincèrement que c'est un bon pas dans la bonne direction. Et au clair, au doute depuis près de une décennie, c'est première fois côté que républicains et démocrates mettaient ensemble proposer un oh bon, et bien entendu, il faut expliquer au papa gagner d'être en seul coup, non? OK? Nous expliquons que on va le temps à faire payer, OK, de grande étape avant pour mais la légaliser. Est-ce que vous comprenez? So, et très certainement nous venir avec d'autres précisions parce que bon, son bail qui gagne n'importe 500 pages. Nous juste bon idée. OK, nous juste bon idée de lui et nous apporter d'autres précisions. Nous autres, nous t'a souhaité qu'il fait route lui et que effectivement il arrive sous. OK, ben, c'était un plaisir.